Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cet avant-dernier Vlogmas. Ça y est, c'est déjà l'avant-dernier. Bah, vous allez me manquer, j'avoue. Même si je reconnais que j'ai aussi envie de dormir. On fera un petit récap de ces Vlogmas demain, qu'est-ce que vous en pensez? Bref, aujourd'hui nouvelle journée, nous sommes vendredi, il est 9h15 et mon montage est terminé. Je suis trop contente, j'ai tout fini, franchement j'ai été hyper efficace ce matin donc c'est trop cool. Parce que là ma vidéo est en train de s'exporter, ensuite faudra que je l'upload sur YouTube et que je fasse la miniature tout ça. Mais le plus gros effet, le montage. Donc de quoi commencer la journée en étant libérée mentalement. Voilà, donc 9h15, ma petite Oli dort encore. Pour aujourd'hui au programme j'ai énormément de linge à plier parce qu'hier j'ai voulu le faire, j'ai commencé deux trucs et après en fait j'étais focus avec les enfants, j'ai dit bon c'est pas grave je ferai ça plus tard. Finir d'emballer les cadeaux de Noël, ouais ça fait 3 jours que je vous en parle, je sais, mais franchement j'en avais la masse. Donc les cadeaux de Noël, j'ai ma soeur qui vient aussi cet après-midi, elle va arriver vers l'heure du café je pense. Et puis voilà, ce soir récupérer mon petit bec à l'école pour le début des vacances, ma petite Oli va rester avec maman toute la journée. Voilà, je vais faire un peu au feeling aujourd'hui, ça va être à la cool. Je dois recevoir 2 colis aussi, 2 gros colis, un avec la poste, l'autre avec GLS, donc j'attends. Mais voilà, donc petit programme tout simple, à la maison, comme on aime. Et comme d'habitude, bah, je vous emmène avec moi dans mes aventures, pas franchement folles, mais qu'est la vraie vie, tout simplement. J'ai bien avancé ce matin, je suis contente. Tout le linge est plié, une lessive a été lancée et même étendue. J'ai rangé le linge dans la chambre des enfants, j'aurais plus qu'à ranger le nôtre. Donc ça c'est cool, c'est une bonne chose de faite. Ensuite j'ai emballé le reste des cadeaux. Il m'en reste un, mais en fait c'est un truc qu'on a pris à Oli. Mais je ne sais pas du tout comment l'emballer. Je pensais avoir une pochette et en fait... Ah j'en ai peut-être une là, faut que je regarde. Parce que le truc clairement, en fait c'est un petit cadet de course en osier. Impossible à emballer le bordel. Donc voilà, je vais regarder juste après si j'ai une pochette. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rangé la chambre des enfants et là je viens de lancer le robot pour aspirer et laver par terre, donc nickel, comme ça sera fait. Dehors c'est la tempête, genre vent vénère, de la pluie qui ne cesse de tomber depuis ce matin. Quoi? Non mais Cachou, tu peux pas la forcer, on peut pas forcer Cachou à avoir des caresses si elle en a pas envie, chatoune. Ça lui plaît pas, elle aimerait beaucoup qu'elle soit comme Socket, mais Cachou n'a pas du tout le même caractère, hein. C'est un peu plus Tati Daniel pour le coup. Voilà, pour ce midi ma petite Oli et moi on va manger du riz puisqu'il nous en restait d'hier, donc très bien. Et je vais faire avec un petit peu de viande, ça sera repas assez simple mais ça sera très bien. Ce matin j'ai reçu un petit colis que j'avais commandé depuis un moment, une commande que j'avais faite sur Choose, ouais il y a pas mal de temps déjà, mais ça a mis beaucoup de temps à arriver. C'est des petits chaussons comme ça pour Oli. Alors ils sont horribles, mais ce genre de chaussons ça leur tient bien chaud aux pieds et ça leur tient super bien au niveau de la cheville surtout. Mais comme d'hab, encore un problème de taille avec Olivia puisque c'est 1000 fois trop grand. Voilà, je comprends rien, j'ai beau mesurer son pied à chaque fois avant de commander, je n'arrive jamais à avoir la bonne taille. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, j'ai reçu, je vais vous poser pour vous montrer, je pense que ça va vous faire sourire. Bon, je vous ai posé là vite fait. En fait, pour les cadeaux de table, j'avais trouvé un truc trop drôle pour Dadou. Et le problème, c'est que ça me mettait commande livrée depuis genre bien 10 jours, sauf que je n'avais rien du tout. Et là, par hasard, j'ai ouvert ma boîte aux lettres parce que du coup, je l'ouvre jamais. Bon, je vais me décaler un peu parce qu'elle voulait venir sur mes genoux, mais je veux pas que vous la voyez. Donc, vous allez voir juste son petit kiki là qui dépasse. Et là j'ai été chercher donc les petits trucs comme ça qui m'avaient été notifiés comme livrés et en fait j'ai vu qu'il y avait une pochette. Et c'est le fameux cadeau que je voulais mettre dans les cadeaux de table de Père Dadou. Donc je peux vous le montrer parce que en gros ce vlog sort demain et il aura son cadeau de table après-demain. Donc j'espère que personne ne va lui balancer ou que de lui-même il ira pas voir mon vlog. Comme ça il sera pas spoilé par cette petite surprise. Bon alors c'est pas non plus un truc de ouf hein, mais bon j'ai trouvé ça sympa parce que alors à savoir que David est fanat de la série Narcos. Il l'a regardé peut-être 3 à 4 fois, je ne saurais vous dire, mais vraiment il la regarde H24, quand il a plus rien à regarder il regarde ça. Et donc je lui ai trouvé ce truc qui m'a fait rire. En gros c'est la tête du mec de Narcos là et il y a marqué Hey sexy daddy I like your flow. Hey you sexy daddy. Non c'est pas ça du tout. I like your flow. You don't need... Si c'est ça.
Bref, vous aurez compris, je chante très mal, je ne connais pas les paroles, mais vous avez, je pense, deviné la chanson. Et voilà, du coup, c'est un t-shirt comme ça que je vais lui mettre dans les cadeaux de table. Je pense que ça va lui faire sourire. Et je suis contente de l'avoir reçu, bien évidemment, il va pas le porter comme ça au quotidien, mais je me suis dit, voilà, pour traîner à la maison et tout, pour rigoler, c'est un petit clin d'œil, en fait, tout simplement. Donc voilà, contente d'avoir reçu ça. Pour ce qui est des cadeaux, il me restera à finaliser mes cadeaux de table. Je sais pas si je vais pouvoir le faire aujourd'hui, parce que comme je vous ai dit, j'ai ma sœur qui vient et je suis pas sûre, donc je verrai. Sinon, de toute façon, ça se fera demain pour le dernier vlogmas pendant la sieste des mini. D'ailleurs, vu que vous regardez ce vlog l'avant-veille du réveillon de Noël, est-ce que vous êtes en train d'emballer vos cadeaux? Parce que je sais que à chaque fois que j'ai eu des cadeaux à emballer, j'ai mis des vidéos. Je suis persuadée qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui doivent être en train de faire ça en même temps de regarder des vidéos sur YouTube. En tout cas, personnellement, c'est ce que je fais d'habitude. Voilà, bon, on va manger avec ma petite Oli. Je vous reprendrai tout à l'heure. J'ai ma soeur qui arrive d'ici une petite heure. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire ensemble. On va déjà papoter, boire un café, tout ça, et après je sais pas, il faut que je réfléchisse aussi à la bêtise de Luciole. Bref, la petite journée avance bien et c'est cool parce que ce matin j'ai pu faire plein de choses pour la maison que j'avais en tête sans me mettre la pression, sans me presser et tout, donc trop cool. Bon les petits lus, il s'agirait de faire la pêche du jour. Aujourd'hui on est le 22, à savoir que demain j'ouvrirai la case 23 mais aussi la case 24 puisque il y aura pas, enfin je termine les vlogs demain soir pour moi et donc pour vous montrer l'entièreté de chaque calendrier, j'ouvrirai les deux cases demain. Concentrons-nous sur aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 22 comme je vous le disais et on va commencer avec le calendrier apothical. Ouh, ça m'a l'air pas mal. C'est un sérum en full size, sérum 3 en 1 hydraté, repulpé et fortifié de la marque Aderma. C'est le sérum Biologie Yalu. Donc je suppose à l'acide hyaluronique. Prétendent que ce sérum a une efficacité en 1 minute. À voir. Dans le calendrier bijoux cette fois-ci, le Secret Jewels. Alors c'est un collier qui est double rang avec deux petites chaînes relativement fines et une petite pierre noire. Voilà, regardez, c'est tout mignon. Franchement je trouve ça très très joli. Passons au calendrier Blissim. Alors Blissim, on a une longue boîte qui est relativement lourde d'ailleurs. Il me semble que c'est une laque. Il me semble que c'est ça, hein, une laque de chez L'Oréal et ils appellent ça, ça veut pas faire le focus, ça m'énerve, ça y est ça m'énerve. Voilà, Infinium pur. Avec 6 ingrédients maximum. Apparemment, c'est une laque hypoallergénique. Bon, bah c'est cool. Dans le calendrier Mademoiselle Bio, qu'avons-nous? Case numéro 22. Alors, c'est un produit de chez Sanoflore, de la gamme Aqua Merveilleuse. Et c'est un peeling botanique correcteur ridule pour avoir une peau lisse et réparée. Trop cool. Et c'est un format, combien? 50 ml. On passe à Yves Rocher. Bonne ou mauvaise blague pour aujourd'hui? Ah, la boîte est relativement lourde. En lait pour le corps, à l'huile d'argan et pétale de rose. En format 50 ml. Et je vais terminer pour aujourd'hui avec le My Little Box. C'est un petit produit de chez Caudalie, c'est un soin pour le corps de la gamme Thé des Vignes. Franchement j'adore cette gamme là, c'est génial, elle sent super super bon. Donc trop cool, franchement trop bien. Bon pour ce qui est d'aujourd'hui, la pêche a été plutôt bonne je trouve. J'ai pas de top ou de flop parce que j'ai bien aimé chaque produit. Et ce fut une bonne petite pêche, voilà. Je suis assez contente de tout ce que j'ai eu et je pense que chaque produit sera testé et utilisé par mes soins. Bon je vous retrouve dans le dressing, je suis assise devant la penderie de Père Dadou. La penderie qui est un peu en foutoir, je vous l'accorde. Mais bon, c'est son bordel à organiser à lui. Alors, je n'ai pas de pochette pour le cadeau d'Olivia. Donc, je vous le montre. Voilà, c'est ça. Clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à emballer. Mais je vais pas trop avoir le choix parce que je n'ai pas de pochette adéquate. Et très sincèrement, je n'ai pas envie de retourner dans les magasins pour aller acheter une pochette spécifique. Pas aujourd'hui, non. Non, non. Le vendredi, la veille, enfin l'avant-veille de Noël. Non, c'est pas forcément la meilleure des idées. Donc, j'ai pris ce petit papier cadeau là, chez Action, là, avec des petits animaux et tout. Je trouvais ça mignon. Et je vais emballer du coup. Enfin, je vais essayer de faire un truc avec son cadeau. Voilà, on va voir ce que ça donne. Franchement, j'ai peu d'espoir. Mais cette année, entre le tractopelle de Léo, les trucs que je vous ai montrés hier, je me débrouille de mieux en mieux, je trouve. Qui ne tente rien n'a rien. Donc clairement j'aurais pas d'Oscar pour celui-là. Mais écoutez, c'est chose faite, il est emballé. Voilà, j'ai emballé l'autre truc à côté en même temps. Franchement il est pitoyable ce paquet cadeau, ça me fait tellement rire à chaque fois. Bon je vous retrouve, il est 15h passé, je suis en compagnie de ma soeur qui a fallu sur le canapé. Et moi je viens de recevoir un énorme colis. Et vous savez ce que c'est? C'est une nouvelle chaise pour mettre à table à Léo, parce que bah, Léo il est toujours dans un genre de... C'est pas un rehausseur réellement, c'est un...
En gros, c'est un adaptateur de chaise d'adulte, mais pour enfant. Et c'est bien, mais c'est en même temps pas bien, parce que maintenant, il a grandi et que limite, ce truc-là peut aller à Oli. Mais lui, clairement, il en a marre d'être sur ce truc-là. Donc, on a investi dans une nouvelle chaise qui devrait plutôt bien se marier avec le reste de nos chaises. Donc, on va voir. Je vais ouvrir ça et je vais essayer de la construire avec vous. L'art d'envoyer avec plein de plastique. Donc, il y avait déjà ce premier emballage. Ensuite, il y a tout le papier bulle partout. Et tout ça pour nous envoyer ça dans des cartons, sans déconner. Est-ce que c'est pas abusé? Genre vraiment, le papier bulle, il y en avait la masse. Alors c'est très bien protégé, mais pour le coup, enfin, je trouve que dans les cartons, ça suffisait, quoi. Bon, alors je l'ai posé juste ici. Franchement, ça matche pas trop mal avec les chaises que l'on a habituellement, donc c'est cool. Et normalement, l'assise est bonne au niveau de la hauteur. Ça vient vraiment à la hauteur du rehausseur qu'il avait sur l'ancienne chaise, c'est-à-dire ce truc-là, juste ici. Ça sera quand même plus pratique, plus sécuritaire quand il monte dessus et tout, je pense. Donc je trouvais ça pas mal. On verra ce qu'il en pense une fois qu'il va rentrer de l'école. Je trouve l'idée pas mal, sachant qu'on peut rajouter aussi des sangles avec le petit dossier et tout. Voilà, ça matche bien. Bon, je viens de descendre pour aller chercher le petit cadeau de Luciole du jour, mais je voulais vous montrer, mes petits cadeaux de table sont terminés. Il me reste juste ici, c'est mes sœurs en fait, et je veux vraiment attendre le dernier moment pour les fermer au cas où j'ai un petit truc à rajouter dedans. Mais voilà, une bonne chose de faite, franchement je suis trop contente. Non, vous n'êtes pas dans un dépotoir, un entrepôt. Ici ce sont mes colis Vinted, enfin tout ce que je garde pour mes colis Vinted. Derrière vous avez le début de mon tri de mes produits et après ce que j'ai déjà mis en vente sur Vinted. Bref, c'est le bordel, je le reconnais. Alors je suis descendue vite fait pour aller chercher le cadeau de Luciole pour aujourd'hui. Bon, alors déjà ça va être un Kinder Maxi, mais on va en remonter un pour maman et un pour ma reine, parce que clairement il n'y a pas de raison que nous on n'en ait pas aujourd'hui. Et je pense que Luciole va ramener la fin des cartes Pokémon, là, le petit A, ainsi qu'un petit livre. Genre voilà, très bien, Père Noël es-tu prêt, un tral à lire comme ça. C'est de 5 ans, donc ça sera pile poil ce qu'il faut. Et je pense que ça va lui plaire, il y a une grande histoire à lire, on la lira ce soir. Voilà, donc ça sera la bêtise de Luciole, enfin le petit présent, petit, pas si petit, mais le cadeau que ramène Luciole pour aujourd'hui. Dans la chambre d'Oli, il est 18h20, on est en train de jouer, ma soeur est partie il y a un petit moment déjà. Léo, tu fais quoi toi? Tu joues au Lego? Ok, Léo il joue au Lego dans sa chambre. Avec Oli, on est en train de regarder des petits livres pour pas changer. Et cette petite demoiselle, devinez quoi? Elle a de la fièvre, voilà, deux jours du réveillon de Noël, c'est toujours comme ça chez nous. Elle a de la fièvre, alors pour l'instant elle a 38,5, donc bon, pour mes enfants c'est pas grand chose, 38,5, donc ça peut être juste peut-être les dents. Je sais pas trop, j'attends de voir. J'ai même pas encore donné du Doliprane parce que si je lui donne maintenant et que ça continue à monter ou quoi, en fait par rapport aux horaires pour redonner pendant la nuit et tout, enfin bref, donc je vais essayer d'attendre. Bon, en même temps je me disais, elle a quand même beaucoup dormi ce matin, hein. Et cet après-midi elle m'a fait 13h-17h de sieste, donc je la trouvais fatiguée, un peu molle et tout. Donc là on est sur des petits airs de classique. Donc bah voilà, du coup ceci explique cela. Elle vous enchaîne les sons de musique classique, là je pense que vous allez kiffer. Ma vidéo est sortie et tout, donc c'est cool. Bah pas plus sinon, hein. Oh Chopin, tu veux ton doudou? Bon allez, moi je vous laisse, je vais rester tranquille avec mes petits loups là un petit temps, et après je sais pas du tout ce qu'on va manger ce soir. J'ai très très envie de commander, mais je sais pas, on va voir. Les petits loups, je vous retrouve, il est 9h10, je suis en train de préparer le bip de ce monsieur Léo. Oli est couché depuis presque une heure déjà, la fièvre l'avait complètement fatiguée. Je lui ai donné un petit Doliprane, elle a mangé un petit peu quand même, elle a bu son bip et j'ai mis Oli et... plus de son, plus d'image, alors que j'avais même pas encore fermé la porte. Et là c'est ce monsieur Léo qui est très fatigué. Bon, il a un peu traîné, hein, c'est les vacances, mais là je sens que ça va tomber d'ici peu. Donc je fais chauffer le lait. Pour celles et ceux qui me demandent, Léo prend toujours un lait chaud le soir. Juste du lait dans un biberon. Et du coup je vais vous abandonner là, je vais clôturer le vlog maintenant. Ça aurait été un petit vlog, mais voilà, les enfants passent d'abord. Et là les enfants sont KO, au lit malade, Léo complètement cuit. Donc moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour le dernier vlogmas. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.